Je suis un gros ours polaire et j'ai un beau pelage blanc. Quelle belle journée aujourd'hui, chante avec moi mon ami. Papa fait un jardin, oh, pour qu'il soit beau, papa dit qu'il faut l'arroser tous les jours. Il voulait arroser avant d'aller travailler. Pour l'aider, j'ai dit que j'allais m'en occuper. Oh, j'aime ça prendre l'arrosoir et me promener en faisant de la pluie sur les feuilles. Oh, j'aime arroser, mais le jardin est grand. Tout seul, c'est long. Mon ami Chico doit venir me chercher. Aujourd'hui, il joue au baseball. Ouh, ouh, oh, 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 c'est moi qui l'entraîne. Oh, j'aimerais ça aller le voir jouer. Oh, si j'y vais, je n'aurai pas le temps d'arroser tout le jardin. Papa ne sera pas content. Oh, si je ne les arrose pas, les plantes vont avoir soif. Oh, mais je ne sais pas quoi faire. Pom 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 pom. Oh, oh, je viens d'inventer une danse, la danse des pommes. Oh, oh, pom 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 pom. Oh, oh, on dirait que Pianissimo aime ma nouvelle danse. Qu'est-ce qu'il y a, Pianissimo? Tu veux savoir ce que j'ai dans mon panier? Oh, oh, il n'y a rien dans mon panier, pas encore. Mais tout à l'heure, il sera plein de belles pommes rouges. Oh, oh, Pianissimo! Dans mon verger, il y a des pommiers. Dans mon verger, il y a des pommiers. C'est pour remplir mon petit panier. C'est pour remplir mon petit panier. Quand elle est rouge, je l'accueille comme la noix de l'écureuil. Ah, ah, comme c'est bon, une pomme pour collation. Ah, ah, comme c'est bon, une pomme pour collation. Pianissimo dit qu'il est fou des pommes. Oh, ça le rend pom-pom. Oh, oh, comme dans ma danse des pommes. Oh, pom 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 tim pom 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 pom. Oh, oh, oh. Et toi, aimes-tu les pommes? Oh, moi j'aime les pommes crues, la compote de pommes et la tarte aux pommes. Oh, oh. Dans mon verger, il y a des pommiers. Dans mon verger, il y a des pommiers. C'est pour remplir mon petit panier. C'est pour remplir mon petit panier. Quand elle est rouge, je l'accueille comme la noix de l'écureuil. Ah, ah, comme c'est bon, une pomme pour collation. Ah, ah, comme c'est bon, une pomme pour collation. Je suis prêt pour notre partie de baseball. Vincent? Fiu. Oh, qu'est-ce qu'il a, le chien de Madame Tulipe? Museau, il s'intéresse à ma découverte. Oh, et qu'est-ce que c'est? Une nouvelle sorte de batte de baseball? Oh non, ça pas tout. C'est ce qui va me rendre célèbre dans le monde entier. Hein? On dirait un os. Ah, mais pas n'importe quel os. Oh, et qu'est-ce qu'il a de spécial, ton os? Ça, c'est un os de dinosaure vieux de millions d'années. Un os de dinosaure? Tu es sûr? Oh, quand je pense que Museau allait le croquer. Où l'as-tu trouvé, ton os de dinosaure? Dans le jardin. Ici? Tu veux dire qu'un jour, il y a fait des dinosaures dans notre jardin? Sûrement pas tout. La preuve, un os de dinosaure. Oh, wow! Quel trésor! Patou, tu sais ce qu'on va faire? Oui, on va aller jouer au baseball! Oh, non, 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 non! Pas du tout. On va aller au Musée des sciences naturelles pour leur montrer ma découverte. Oh! Ah! Oui, allô? Oui, c'est moi. Non, Madame Tulip. Oui. Oh.
Excusez-moi, hein, je savais pas que... Ouais. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle te veut, Madame Flip? Mais c'est pas un os de dinosaure. C'est un os de bœuf que le boucher a donné à Madame Tulip pour son chien. Ouf. Oh, oh, oh! C'est pour ça que Muson n'arrêtait pas de japper après toi. Oh, oh! Oh, Patou, quand je pense que j'aurais pu être célèbre. Oh, il y a d'autres façons de devenir très célèbre. En jouant au baseball, par exemple. Est-ce que t'aimerais ça, voyager? Oh oui, j'aime beaucoup les voyages. Moi aussi, Patou. Mais l'endroit où j'aimerais le plus voyager, c'est dans l'espace. Hein? Dans l'espace? Oui. Mais comment tu vas t'y rendre? Pour aujourd'hui, je crois pas que c'est possible. Mais pour continuer à y rêver, j'ai décidé de me fabriquer une belle fusée. Oh, tu vas bricoler une fusée? Oui, regarde bien. Pour fabriquer ma fusée, j'emploie une bouteille de plastique. Comme celle-ci, que je vais peindre en bleu. Voilà! Maintenant, il faut que je fabrique mes réacteurs. J'ai besoin de 3 réacteurs. Pour ce faire, je vais prendre des rouleaux de papier hygiénique, comme celui-ci, et je vais les enrouler dans du papier aluminium. Voilà. J'enroule bien mon rouleau de papier hygiénique dans le papier d'aluminium et je viens insérer le papier au bout, pour qu'il tienne bien sur mon rouleau de papier hygiénique. Voilà. Et de 1 réacteur. J'en ai besoin de 3, que je viendrai coller sur ma fusée, ici. Alors, je colle mes 3 papiers hygiéniques sur ma fusée. Je l'ai déjà fait, et ça donne ceci. Oh. Voilà, oui. Mais je dois ajouter que j'ai mis quelques petites décorations aussi sur ma fusée. Ce sont des petits morceaux de papier construction que j'ai découpés et que j'ai collés sur ma fusée pour que ça soit plus joli. Maintenant, ma fusée n'est pas terminée. Oh non! Parce que pour qu'elle puisse voler, ça prend de la propulsion. Donc, ça prend du feu au bout des réacteurs. Alors, pour faire mon feu, j'utilise du papier construction de couleur orangée que j'enroule sur lui-même, que je colle avec un morceau de papier collant, voilà, et que je découpe. Je viens découper pour faire les flammes de mon feu. Maintenant, je viens les insérer dans mes réacteurs. J'insère mon feu dans les réacteurs, voilà, mes 3 réacteurs, et voilà, ma fusée est prête. Prête pour le décollage? Oui, pfff. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure de bonhomme de neige. Vieille Corne est un rhinocéros artiste de cirque. Il a beaucoup voyagé pour présenter son spectacle d'acrobate. Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, Vieille Corne est retourné dans son pays. Maintenant, il se promène de village en village pour raconter aux enfants ses nombreux voyages. Dans son pays, il fait toujours chaud. Les enfants ne savent pas à quoi ressemble le froid et n'ont jamais vu la neige. Un jour, Vieille Corne écrit au Père Noël. Il veut un beau bonhomme de neige afin de le montrer aux enfants de son village. C'est l'été et le Père Noël s'apprête à partir en vacances. Pris de court, il m'appelle. Oh, 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 Patou, serais-tu assez gentil pour me rendre un petit service? Fier de pouvoir aider le Père Noël, je fais un gros bonhomme de neige. Je le mets dans une belle boîte cadeau et je l'envoie à Vieille Corne.
quelle déception lorsqu'il ouvre la boîte. Le bonhomme a fondu pendant le voyage. Il ne reste plus qu'un peu d'eau tiède. Oh, la nouvelle me rend très malheureux. Mais je n'abandonne pas. Il doit bien y avoir une solution. Un matin, en me brossant les dents, en face du miroir, j'ai une idée. Avec un foulard autour du cou, un vieux chapeau sur la tête et une carotte collée sur le nez, je peux ressembler à un bonhomme de neige qui a l'avantage de pouvoir voyager sans fondre. Oh, j'ai un tel succès que Vieille Corne me demande de faire le tour de tous les villages. J'accepte avec le plus grand plaisir, même si c'est très chaud pour un ours polaire de faire le bonhomme de neige en Afrique. Yeah! Oh, oh! Chico a fait des super lancers, comme je lui ai montré. Et son équipe a gagné la partie! Oh, oh! Oh, Chico m'a remercié. Et il était content, et moi aussi. Oh, oh! Papa aussi m'a remercié pour avoir si bien arrosé le jardin. Il m'a dit, grâce à ton aide, Patou, on va avoir des beaux légumes. Oh. Quand Chico est venu me chercher, je lui ai dit, je ne peux pas aller te voir jouer, je n'ai pas fini d'arroser. Si je ne le fais pas, les plantes vont avoir soif et papa ne sera pas fier de moi. Chico a vite couru chez lui. Il est revenu avec un arrosoir pour m'aider. Oh, à nous deux, on a eu le temps d'arroser tout le jardin avant la partie de baseball. Yeah!